Et salut tout le monde, c'est les points. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V pour la suite de la mission Contract. Donc, je ne sais pas tout ce qui m'attend aujourd'hui. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur le like et de commenter cette vidéo. Et puis, toi qui passes par là, qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. So, another day. And the arms dealers of Los Santos want another favor. I swear getting invited over to their country club has got me more work than any other evening of my fucking life. This time, they want us to take off some small-timers who tried to go pro-selling some cheap fucking ammo. From what I hear, sounds like a mob operation to me. We got no idea where the fuck they at, but Imani's just pinging one of their fucking goons that might be able to lead us to them. Tell their ass and find out where they at. Allez, go, rejoignez le centre de Vinwood. C'est parti. Suivez la mafia arménienne. Ok, donc je dois le suivre, il faut pas que je le tue. Je sais déjà c'est quoi comme mission. Mais de toute façon, à la fin, il faut que je le tue. Hein. Je pense que je dois récupérer quelque chose. Allez, je le suis. Vas-y, 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 je te suis, je suis juste au-dessus de toi. Au moment où on me donne des ordres, ah, par contre, il ne faut pas que je sois trop près. Il ne faut pas que je sois trop près. Le mec, il ne sait même pas conduire, quoi. Je ne sais pas si vous le voyez, là, dans le cadre rouge. En fait, le cadre rouge, c'est lance-missile où je suis prêt à le faire exploser. Allez. J'espère qu'il ne va pas trop loin, hein. En tout cas, j'ai bien fait de prendre encore une fois mon oppresseur bien-aimé. Mon oppresseur bien-aimé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ce oppresseur. Enfin, je parle plus pour les gens qui n'ont pas. Hein. Et bon, maintenant, c'est très facile pour en avoir. Alors, il a tourné à droite, le monsieur. Il est juste à côté. Il s'est arrêté? Je sais pas s'il s'est arrêté. Il s'est arrêté ou pas? Ah, il s'est arrêté. Alors, entrer dans l'entrepôt. Ok, c'est bon. Je dois rentrer dans l'entrepôt. Mais je vais laisser là. Je vais pas laisser loin mon oppresseur. Je vais juste laisser ici. Donc, évidemment, il faut t'armer. Je vais prendre cette arme. C'est bon, lui il a réglé son compte. Par contre, ils sont bien cachés les mecs. Hein. Bon allez, déjà je vais détruire celui-là. Hop, c'est fait. Non, même pas. Attendez, je vais prendre ça pour aller plus vite. Voilà. On rigole pas ici. Ça aussi. Il est mort ou pas? Voilà. Moi, j'ai pas de pitié, là. Pas de pitié. Lance-roquette. Ils sont morts ou pas, non? Toujours pas. Ça, c'est fait. Il y en a un juste à côté de moi. Il y en a deux. Hop, je vais mettre ça là. Allez. J'ai l'impression que ça répond pas, là, ma manette. Faut que je passe en dessous pour éviter des gaspillages. Hop, voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ici avant de partir quand même? Ils sont tous morts à l'intérieur? Oui. J'ai dû faire ça depuis le début, l'entrequête. Mais bon, là, j'ai mis la coule douce. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur? Il y a peut-être quelque chose à fouiller. Je vais fouiller. Non, il n'y a rien à prier. J'ai détruit les caisses de munitions. Ok. Placer le charge explosif. Où ça? Où ça que je... Ah oui, 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 c'est marqué là. Sur le point, le mec, il est énervé. Hein. Il veut détruire le bâtiment. Il veut détruire le bâtiment, Franklin.
Donc là, il y en a marre des autres concurrents. Là, c'est vraiment un message bien précis. Regarde ça, il met bien sur les poutres. Hein. C'est pas n'importe quel endroit qu'il met. Hein. Il met bien sur les poutres et les explosions. Vous allez voir comment. Enfin, j'imagine comment ça va tomber, quoi. Placer le charge. Donc, il y en a un juste ici que j'avais pas vu. C'est bon. C'est pas par hasard s'il place sur les poutres. Hein. Allez, allez. J'ai 9 secondes avant de partir. Oh, ça compte toujours. Et il y a les flics. Allez, 13 secondes. 13 secondes. Vite. Allez, c'est où qui va exploser? 3, 2, 1, 0. Ça a explosé, mais j'ai pas vu par contre l'endroit qui a explosé. Hein. Malheureusement. Donc, semer les flics. Ok, ça c'est pas une tâche difficile à faire. Hein. À partir du moment où tu as l'oppresseur, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, je fais la pub pour l'oppresseur. L'oppresseur MK2. Je précise, hein, l'oppresseur MK2. Ça clignote déjà là. Ça a du mal à partir. Hein. Ça a du mal à partir. C'était pas très compliqué comme mission quand même. Hein. Mais il fallait y penser, quoi. Allez, allez, allez. Faites-moi disparaître les étoiles. Oui, mission réussie. Les munitions ont été détruites. 31 500. Donc, c'est une petite mission. Hein. C'est, pour l'instant, c'est juste une petite mission pour se rendre riche. Vraiment, c'est bien. Ça remplace les missions. Hey, look, good shit on those contracts you've been working on. But listen, I got some other work. A certain kind of work that need a certain kind of person. You know what I mean? Big ticket type shit. I don't want to say too much on myself, so I'll be in touch with you on a payphone. Keep your ears open. En tout cas, comme je disais, ça remplace les missions qu'on fait d'habitude hein, sur le PDG. Donc, c'est à faire, mais il faut bien mémoriser. Mais bon, après, quitte à faire, tout refaire, hein, c'est pas trop grave. Donc, 31 500. C'est dans la poche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le like, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et merci beaucoup d'avoir aussi regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.